Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage action. On est à Crépy-en-Valois, c'est parti. Alors j'ai commencé ici par ces deux supports de plantes en métal. Donc il y a un petit qui fait 6,95€ au niveau des dimensions, c'est du 16 par 16 et 37 de hauteur. Et puis le plus grand il fait 10,95€, 19 par 19 et 58 de hauteur. Alors, ils existent qu'en noir hein, pour ce modèle-là. Mais c'est vrai qu'il est sympa. Hein. Je regardais comme ça, avec une plante soit tombante, soit une véritable plante. Moi, je vois vraiment une véritable plante. Après, pourquoi pas hein. Vous voyez, ce genre de plante. Vous voyez, ça peut faire canon aussi. Vous avez également ici, hein, je vous les montre de temps en temps, quand il y en a, et ça part quand même assez vite. C'est une espèce de petit tapis ou des petites décos comme ça. Pour faire un mur végétal carré, donc vous pouvez en mettre plein, vous pouvez même y rajouter, hein, voyez à l'intérieur, vous voyez des roses comme ça, ou alors les laisser en vert. Celui-là il fait 25 par 25, ils sont vendus à l'unité, ils sont à 2,49€. Voilà, je vous les remonte, hein, ces roses. Roses, alors elles sont vendues par 3, vous allez pouvoir vraiment les utiliser hein, pour faire vos petites créations décorées. Pourquoi pas sur les cheveux également. Et puis vous avez ceux-là ils sont en mousse, donc 99 centimes que ce soit ce modèle-là ou celui-ci. Pour rester dans la décoration, pourquoi pas la décoration de table ou vos DIY, 99 centimes le sable. Vous avez les pierres en verre de différentes couleurs, vous avez des transparentes et vous en avez de couleurs vert, noir, j'ai vu du orange également, 99 centimes. Là c'est tout ce qui est coquillage à 1,99€. Ici les coquillages en sachet à 99 centimes. Je vous l'avais montré hier, il me semble, je vous la remontre. Voilà. Elle existe en deux couleurs. En fait, c'est le même modèle, hein, sauf que voilà, le contour, il est noir. Pour celui-ci, avec l'aiguille en noir, et celui est blanc. Contour en blanc, avec l'aiguille en blanc. Le sens, ça doit être du MDF ou du bois, je ne sais pas. En tout cas, ça fait 36 cm de diamètre. Et elle a 8,95€. Elle est canon. Franchement, celle-ci, j'aime beaucoup. C'est dommage, des fois il met des petites photos pour montrer ce que ça donne sur un mur et elle doit être vraiment pas mal. Là je l'ai mis à l'envers, mais voilà pour vous montrer en dehors du rayon. Hop, on va mettre celle-là. La noire aussi elle est pas mal. Hein. Après vous avez celle-ci. Celle-ci aussi elle existe en blanc hein, pour celles qui recherchent du blanc. 9,79€. Les pieds de lampe, ici, à un moment il y en avait plein. Là, il y a deux modèles de pieds de lampe. Je regarde. Ouais, il y a deux modèles. Vous avez celui-ci. Ça, c'est du bois de manguier, du véritable bois de manguier. 7,95€, 27 cm. Et puis, vous avez celui-ci qui est en acrylique ou en plastique. Ah non, il y a deux modèles. Il y a celui-là et celui-là. De toute façon, ils sont... Alors, celui-là, c'est 5,98€ et celui-là, c'est 8,95€. Petit tour du côté des grandes tiges, hein, des grandes fleurs. Je vous montre parce que les tiges, elles sont quand même assez grandes. Hein, regardez pour ce tournesol. Elle est grande la tige. En général, c'est 1,99€. Vous avez des roses, vous avez un peu de tout. Les bougies. Soit vous les achetez en torse à départ 3 de différentes couleurs, elles sont à 1,59€, 25 cm. Alors vous avez du noir, vous avez ici du vert, vous avez du rose, vous avez du blanc. Alors celles-ci elles sont à 59. Après vous avez les chandelles ici, un classique simple, elles sont vendues par 10 à 3,49€. Vous avez couleur ivoire et en noir, alors ça c'est du noir mat. Voilà, 3,49€. Si vous les recherchez comme ça dans ce style-là à l'unité. Alors, ils sont déclinés en plusieurs couleurs également, hein, ce modèle-là. 67 centimes. Petit tour du côté des cadres. Alors, des cadres, comme vous pouvez voir, vous en avez énormément. Des grands, des moyens, des petits, hein, regardez. Et vous avez différents styles. Alors, vous avez celui-là. Alors, celui-là, il est décliné en plusieurs couleurs. Là, c'est du noir. Il me semble que c'est du noir mat. On ne le voit pas avec le blister. Et vous l'avez également en doré, vous l'avez en blanc et vous l'avez couleur argentée. Voilà, c'est un cadre pour des photos de 13 par 18. 18, pardon. Hop, je vais mettre là. Voilà, couleur argentée, elle est là également. Et dans ce style-là, vous avez également
un modèle plus alors plus grand, c'est celui-ci. D'ailleurs, il est en bas à 2,22€. Alors ça, c'est des 21-29 sets. Pareil, on retrouve hein, vraiment les mêmes coloris. Puis après, je vois que celui-ci, il est plus petit. Alors, ah, 99 centimes, il est juste au-dessus. Pareil, on retrouve également les mêmes coloris. Hein. Et là, on est du côté des grands cadres. Alors, vous avez des pêle-mêles, vous avez des cadres. Là, par exemple, vous avez un grand cadre. Alors, ça, c'est une toile avec un contour, hein, avec un cadre. Diverses variantes. Donc, vous allez pouvoir trouver hein, différentes photos. 8,95€, il fait 50 par 70. On va essayer de regarder ce qu'on peut retrouver hein, du côté des photos. J'ai l'impression que c'est plutôt les animaux de la savane, hein, les animaux sauvages. Elle est belle, la tête du lion. Voilà, 8,95€ hein, pour ce modèle-là. Et puis là, vous avez une photo imprimée en verre. Alors ça, c'est un cadre, hein, pareil, tout est en verre avec une photo. 7,95€. Alors, vous avez soit le léopard, soit le tigre et soit le lion. Et c'est 37 par 57. Celui-là, il est bien rectangle, hein. Au-dessus, c'est une déco murale à 9,95€, 21 par 61. Pareil, hein, celle-ci, elle existe dans différentes couleurs. L'étoile, ça, je vous les ai montrées. C'est des toiles rectangles 38 par 78 avec des LED. Vous voyez, des petites LED au niveau. Alors, celle-là, il y en a 5. Et les LED, elles sont au niveau des petites flammes. Ça peut donner un bel effet. Voilà, 5,95€. On continue avec, tout à l'heure je vous ai montré des chandelles et vous avez ici ce chandelier cube. Souvent ils le mettent ici, ce modèle là pendant les fêtes, en tout cas ils les avaient mis pendant les fêtes. Assez sympa, et là tout à l'heure je vous ai montré hein, différentes chandelles que vous pouvez mettre dans ce genre de chandelier. Soit vous mettez des torsadés, soit vous décalez avec une autre couleur, une autre forme. Voilà. 3,98€, celui-là il fait 17,5 par 17,5, donc il est carré, et en hauteur il fait 28. Je vous montre juste à côté, alors c'est pas nouveau, c'est pareil, cette lanterne miroir. Alors sur Instagram on peut voir hein, plein de filles partager des photos, d'ailleurs je les repartage quand c'est des bonnes idées, franchement quand c'est des choses qu'on pourrait... Souvent on achète ce genre d'article et puis après au final on se dit bah non, je vais pas l'utiliser comme photo fort. Et il y a une fille qui les avait utilisés en vase, tout simplement. Elle avait mis un gros bouquet de vraies roses. Non, là je pense qu'il faut plutôt mettre des roses artificielles parce que le vase il est pas fixé, voilà, vous voyez. Donc il vaut mieux mettre roses artificielles. Et c'est 9,95€, voilà, 18 par 26. Alors je vous montre ce plateau, pourquoi? Parce que je le vois ici sorti, je voulais absolument vous le montrer. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte en fait hein, du modèle. Et c'est un modèle qui est vraiment en verre. Vous voyez comment il se présente. Alors il fait 25 cm de diamètre et il fait 7 cm de hauteur. Voilà, très joli. Et puis vous avez dans le même esprit celui-ci. Alors celui-là, il n'est pas sur pied. Il est rectangle, 30 par 20 à 2,99€. Les boîtes à thé ici sont à 4,69€. Hein. Vous avez du blanc, comme ceci. Vous avez avec du noir et bois. Et vous avez également un modèle qui est tout en bois, couleur bois, à 4,69€. Dans le même esprit, vous avez ici... les boîtes à mouchoirs. Alors vous allez pouvoir trouver avec des touches en noir, des touches en blanc et des modèles tout en bois couleur naturelle. 4,69€. Regardez les idées cadeaux pour la maîtresse. Une petite boîte comme ça, c'est sympa. Avec des petites choses à l'intérieur. Juste entrouvert comme ça. Après, ça peut être un pot à crayon dans cet esprit-là. Un petit carnet de notes, quelque chose qu'elle pourrait utiliser tout le temps. 3,99€, des chocolats.
Alors là, il y a pas mal de choses que je vous ai déjà montrées. Je suis en train de regarder. Alors, celle qui me demande hein, les boutons en véritable marbre, il y en a encore plein ici. 2,99€ sont vendus par deux, gris ou blanc. Là, ils sont vendus à l'unité, mais c'est des boutons en céramique. Vous voyez, comme ceci. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Enfin, pas forcément des nouveautés, mais des choses qui reviennent. Des belles choses. Et puis quelques nouveautés également. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.